Qu'est-ce que c'est que ce truc? Perfecto! Je vais faire mon intro avec toi. Allez, vas-y, je vais faire mon intro. Bon, je te dis, je suis pas toute seule, et là après tu dis coucou quoi, tu dis un truc. Oh mon dieu. Hey, coucou! Salut, les universe! Oh la fébrilité quoi. J'étais là, bonjour! Eh vas-y, pas de pression, mais t'as eu! Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Bonjour! Est-ce que tu veux que je dise d'autre? J'aime bien. Je suis avec ma grande sœur et vous allez comprendre pourquoi. C'est elle qui a préparé la vidéo d'aujourd'hui. C'est Emoji Challenge. C'est un Emoji Challenge. En gros, il va y avoir plusieurs emojis, je sais pas, 2, 3, 4, enfin plusieurs emojis. Et à partir de ça, je vais devoir deviner un film, une série ou un dessin animé. Et donc, comment on compte les points? T'en as fait 20, c'est ça? J'en ai fait 20. Bah je compte les points si sur 20. Si t'as pas 15 sur 20, t'engages. C'était pas prévu. C'était pas prévu ça. Non mais c'est facile, à peu près. Oh mon regard. Enfin, okay. C'est grave faisable. J'ai un essai ou plusieurs? Deux essais. Bah, écoutez, je crois que c'est parti, on y va. Donc le premier. Mademoiselle. Merci. Bon, regarde pas trop ceux d'en dessous. Déjà le premier, je crois. Aline, réfléchis. Attends, il y a des trucs de théâtre. Il y a de l'argent, il y a un pistolet. Maman l'a trouvé? Oui. Ah, si maman a trouvé. Si maman a trouvé, je suis obligée de trouver. Oh non. Et t'as le droit à 3 indices dans toute la partie que t'as le droit d'utiliser quand tu veux, mais que 3 en fait. Ok. Ok. Donc ce serait con de l'utiliser. Ça quand je suis... Alors dès le premier j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Ah non mais vraiment. Non faut que je me concentre, Christelle. Je vois pas le rapport. Aline, quand je vais te le dire, tu vas. Ah non, je vais être déçue de moi-même oui. Après. Attends. Donc argent, ça pourrait être un trafic d'argent. Pistolet. Réfléchis. Comme film. Ah, La Casa des Papels. Oui. Attends, je pensais que c'était du théâtre. Tu peux demander aussi, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé avant moi. Vas-y, redis-le comme ça. Bah, ah, moi qui le dis. Bah, en gros, comme elle met beaucoup de temps à réfléchir, essayez de trouver avant elle. On passe au deuxième. Le deuxième est plus facile. Azban. Azban. Ah, tiens, j'allais te demander comment il s'appelait le petit. Ben. Bon, c'était facile, ça. Oui, ça, ça va. Ensuite, le troisième. La réflexion. Le Seigneur des Anneaux. Oh oui. Ok. Oui. Donc l'arc pour Legolas. Oui, Legolas. Gandalf. Gandalf, ouais. Et l'anneau. Et on... Oh, j'ai fait l'anneau. Eh, vas-y, lui. Et l'anneau. Et je pouvais pas mettre un nom. Enfin, j'arrive pas à trouver les... Les petites personnes. Les petites personnes. Je sais pas si ça existe en emoji. Non, je crois pas que ça existe. Ensuite. Facile celui-là. Facile. Bon, il y a des échecs, une coupe et une petite femme rousse. C'est une nouvelle série sur Netflix que je vous conseille de voir avec Anya Taylor-Joy. C'est Le Jeu de la Dame. Bien joué. Boum! Pour l'instant, 3 points sur, 4 points sur oui, 4. 4 points, 4 points. Alors. Une fusée. T'as dit quoi? Une fusée, c'est une fusée, non? Oui, c'est une fusée. Bon, je crois que j'ai compris avec le petit fond. Qui est un gros indice. On a hésité à le mettre. Bon, bah, The Unread. Oui, c'est The Unread, oui. Oui. Mais parce que, est-ce que t'aurais trouvé sans le truc? C'est bah, en fait, trop dur. Je sais pas. Bah, en fait, j'aurais réfléchi à un truc avec la Terre. Ouais, en fait, ça aurait pu être plein de trucs. Bah ouais. Interstellar, ouais, il y en a 1000 en fait. Donc, Oui. 10%. Oh, oui. Oh putain, bien joué. Oh fait. Putain ah, parce que moi j'étais là, bah je sais pas, un truc de cinéma. Et après j'ai fait mes 10%. Maman, tu vois, elle a galéré celui-là. Elle a dit, ah, mais c'est trop dur. Faut que tu rajoutes un pourcentage. Elle m'a dit, je vais, ah bah super. Bon, bon là, 10 et 1%. Et 1%. Comme ça, on est sûr qu'elle trouve. C'est aussi une belle série à regarder. Ah, ouais. C'est trop drôle, c'est trop bien. C'est sur les agents d'acteurs et tout. C'est trop drôle. Il y en a bientôt un qui est super drôle. Oula. Alors attends, un bonhomme. Ah bah le Joker. Oui. Il y a une carte du Joker, un cerveau un peu. Un peu fêlé. Un peu fêlé sur les bords. Et un pistolet, donc le Joker. Ensuite. Alors là, je t'ai pas respecté du tout. Non, mais c'est pas vexant. J'ai juste dit, je t'ai pas respecté. Oh non.
C'est eux que t'as pas respecté. Oui. C'est les X-Men. Bah, un aimant pour Magneto, un ADN, ça c'était oui, bien ça c'était bien trouvé. Et une personne en situation de handicap, parce que Charles Xavier... Ça va, t'es pas obligé de dire roulant. Une personne en situation. Je ne veux... Je ne veux heurter personne. Je ne veux heurter aucun public. Et oui, bon bah, Charles, Magneto et... Voilà. Limitant. Et c'était dur de faire deviner X-Men avec des émojis. Hein. Enfin, peut-être oui. qu'il y en a quand même. Non, non, mais il est bien, il est bien. Ah, celui-là, pareil, je me suis donné, là. Ouais. Des gants. C'est quoi, c'est une toile d'araignée? Ouais. Allez, Avengers. Ouais. Parce que j'étais là, là je vois Spider-Man, là je vois Hulk. Bah ouais, en fait j'avais... Et ouais. Allez, Avengers, putain il est bien. Là il y a Thor. Ouais. Ça c'est Captain. Ouais, c'est Captain America pour le bouclier. Bon, les gants... Les gants Iron Man. Non, c'est pour Thanos. Ah, moi je pensais à Iron Man genre avec son truc là. Non, c'était pour les gants de Thanos. Et bon, super-héros pour, super-héros pour tous. Ah, il était bien celui-là. Bien trouvé. Ah. Ah si, là je l'ai direct. Ah, il est trop bien, il est trop bien fait. Bon, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je regarde jamais la caméra en fait. Non. Alors, je vis ma vie. Alors, moi je fais mon jeu. Vous regardez si ça tout. Vous intéresse. Elle me s'en bat les couilles en fait. Elle veut juste faire un jeu. Tu sais. Un lion, deux mecs et deux filles et une couronne. Et c'est le monde de Narnia. Oui, c'est oui. Toi, je t'ai dit c'était facile. Là pour l'instant, t'as tout bon. Pour l'instant, j'ai tout bon. T'as même pas besoin d'indice. Alors, fusée, génie, dragon. Ah, celui-là, il est peut-être un peu plus dur. Robot. Mmh. Alors, moi, je vois Aladdin, Wally. Ça, c'est des gens qui admirent l'espace. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais qu'est-ce que ça peut être? Ce truc dans l'espace. En fait, je vois pas le rapport entre les trucs. Ah, est-ce que tu veux un indice ou pas? Ouais, je veux bien un indice. C'est un film. Déjà, est-ce que c'est un indice suffisant? Ce n'est pas une série, super. C'est pas un dessin animé, donc déjà tu peux éliminer okay. Aladdin. C'est un film très connu. Elle a trouvé maman? Oui. Elle a galéré ou pas du tout? Ouais, elle a galéré. Okay. Peut-être que mon premier indice était trop nul, mais c'est pas un génie, c'est un homme bleu. Enfin, les gens bleus. Ah, d'accord, ok. Les gardiens de la galaxie? Ah non, pas du tout. Du tout. C'est un deuxième effet. Ah oui, c'est un deuxième effet. Oh, bah je sais pas, c'est dans l'espace, il y a un bleu, genre ça pourrait être Nebula. J'ai peur de dire une connerie. Avatar? Oui. Oui. Ah putain, il était dur celui-là. Bah ouais, mais tu sais, ils volent sur des trucs, des petits dragons. Oui, des dragons, c'est, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est des dragons, mais... Après, il y a des gros robots avec des humains dedans. Ouais, des il y a des gens bleus, c'est sur une nouvelle planète. Donc, non, non, mais c'était bien, mais c'était... C'était dur, dur ouais. Ensuite... Je crois que j'ai trouvé. Bon, une rousse, un arc et un petit ours. Rebelle. Oui. Rebelle. Ensuite... Pocahontas. Oui. Oui. Celui-là, il était peut-être un peu difficile aussi, mais... Si, il y a le petit raton laveur. Ensuite, bon, un drapeau avec une tête de mort, un perroquet et une boussole, ça me fait penser à des pirates. Oui. Donc, vous tenterez Pirates des Caraïbes? Lequel? Moi, je serais... Oh putain, ah, je croyais que c'était une vraie question. Non, non. Ah, là on arrive, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ouais, ça, il est un peu plus compliqué. Alors, bah, le cirque, ça me ferait penser à Dumbo, mais je vois pas d'éléphant, donc ça m'étonnerait. Une mort. Ah! Est-ce que c'est la saison du cirque de... American Horror Story? Oui. Oui. Il était compliqué, tu vois. Ah ouais, il était dur, j'étais là... Aucune idée. Ils sont bien choisis quand même. Les... Ah, les mais ils sont grave bien faits, hein. Tu les as grave bien faits. C'est avec Max. Vous les avez grave bien faits. Oh, il en reste plus beaucoup, j'ai envie de jouer toute ma vie. Alors. Celui-là aussi, il est dur. Enfin, ça se trouve, tu l'as déjà trouvé. Bah, j'ai une idée, mais si... Maman, j'ai raté l'avion? Non. Ah merde. Il y avait le temps et l'avion. Bon, non, celui-là, coup... il est peut-être un peu tiré par les cheveux. Oh non, mais j'ai que deux essais. Tu peux te tromper, hein, t'as déjà 15. Le film avec Liam Neeson. Dans l'avion, là où il a tous les... Je sais plus combien de temps, il y en a un qui meurt. Et la réponse est no. Ah merde, attends, je peux essayer de trouver même si j'ai vas-y, pas le point. Vas-y. Tu peux me donner un indice? Déjà, c'est un film. Ok. J'aurais pu rajouter une toupie, mais il n'y avait pas un emoji. Ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas du tout. Mais si, une toupie. Une toupie. Celui-là est un peu difficile. Je l'avoue. Elle a trouvé, maman? Non, elle l'a pas trouvé. Ah.
Deuxième indice ou pas? Oui, vas-y. Un film de Christopher Nolan. Ah mais oui, le temps, putain, de mais Inception. Oui. Il y a mais... toujours un problème de temps dans ces films. Et bah, un réveil, parce que tu sais, ils sont dans un avion, ça se passe dans un rêve. Et faut pas qu'ils se réveillent, mais non. Mais ah ouais, en fait, moi, je voyais même pas un réveil, hein, je voyais juste de l'heure, en fait. Non, non, là, là c'est un... Enfin, ouais, c'est le c'est temps. Un réveil, le temps, ça se passe dans un avion. Inception, ok, ouais. Mais bon, celui-là était un peu dur. Ah ouais, il était grave dur, ouais, mais bien trouvé, hein. Je sais pas comment t'aurais pu mettre autrement, en fait. Bah, une toupie, ça aurait peut-être aidé. La toupie ne m'aurait pas aidé du tout. Ok, bon, j'espère que vous l'avez trouvé chez vous, parce que, bah, moi, non, pas du tout, quoi. Donc, j'ai un faux. Deux faux? Non, un. Un, c'est le premier. Ensuite... Non, allez. Je rigole, c'était pas une vraie proposition. Chut, c'est un secret. Ensuite, des parents avec deux enfants et la mort. J'ai bien résumé? Oui, sauf le premier smiley. Ah merde, c'est pas un secret? Sans un bruit? Oui. Ok. Élite? Oui. Ok, Espagne, petit diplômé. Petit ouais, diplômé, enfin, un étudiant, et la police. Quoi. Et peut-être que tu peux dire que tu regardes tout le temps là parce que... Et je regarde tout le temps là parce qu'il y a l'ordi, hein. Oui mais ils sont pas bêtes les gens. Il t'en reste plus que deux. Oh non, c'est déjà fini. Ok. Bah, ah bah attends, oui, j'ai compris le dernier je crois. Il y a un clown, un garçon, un enfant et un pâté ballon rouge. Donc ça, je suppose. Oui. J'ai cru que t'allais dire non, du là. J'ai plus d'idée du coup. Bon, pour l'instant j'en ai 19 sur 20. Mais je t'avais dit... Non, 18 sur 20. Non, tu t'es trompée qu'une fois, Aline. Oui, mais il m'en manque un. Ah oui, pardon. Et le dernier... Je l'ai, je crois. Un chien, un chat et un rongeur. C'est la recette. C'est du bonheur, oui. Volt. Et une trottinette, quand même. Et une trottinette pour Penny. Oui, Penny. Penny. Voilà. J'aimais trop Volt. Volt, c'est le dessin animé que je regardais absolument tous les jours. Toutes les semaines, tous les mois, de ses 6 ans à ses 12 ans. Ah mais vraiment, Volt, je crois que c'est un des dessins animés que j'ai le plus regardé. Oui. Toi c'est Anastasia. Anastasia. Que t'as le plus regardé? Ah oui, c'est Anastasia. Il est incroyable Anastasia, si vous ne l'avez jamais vu, voyez-le. Ça se dit, voyez-le. Voyez-le. Grosse faute de grammaire pour finir cette série. J'espère que vous les avez trouvés aussi chez vous parce que... Franchement, il y en avait des plus difficiles que d'autres. Ouais. Globalement, peut-être qu'on pourra faire une deuxième version en plus compliqué. En plus compliqué. Parce que là, j'ai joué facile parce que je savais pas le niveau en face de moi. Mais je m'aperçois que c'est un bon niveau. Donc oui, et puis t'as fait quand même des trucs que je connais bien. Oui. Et comment ça s'appelle avec Liam Neeson? Par contre, je retrouve toujours pas. Ah, je sais pas. Maman, elle a pensé exactement la même chose. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, c'est un truc. Avec Liam Neeson, c'est le film où il est dans un avion et c'est un attentat en gros. Et tu vois de quel film je parle? Non, pas du tout. C'est vrai? Attends, mais je vais... Tu me laisses parler depuis tout à l'heure en disant ouais, ouais, alors que tu vois pas. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais tu me laisses toute seule là. Bon, du coup, cette vidéo était un peu brouillon, genre. On a dit un peu n'importe quoi tout le temps. Mais au moins, elle est drôle, je pense. Donc, c'est le principal. Elle est authentique. Elle est authentique, voilà. Tu peux mettre ta main au moins qu'on voit une partie de toi dans cette vidéo. Ouh. Ah non, c'est ton poignet en plus. Ah oui. Non mais c'est bon, j'avais pas mal, tu vois. J'ai pris ton poignet en mode alors. C'est une foulure au poignet. Enfin, elle s'est fait. On m'a fait. On t'a fait une foulure au poignet. Je suis. Mais il y a un truc où tu pourrais venir à côté de moi et genre quelqu'un nous les propose et c'est le premier qui trouve. Ah ouais. Mais ça voudrait dire que tu devras venir devant les caméras. Ah ouais. Ah, je suis pas sûre de ça. Non mais quand tu seras... Je crois qu'on en a fini avec cette vidéo, donc merci à Christelle d'avoir préparé... Ah, ça balance mon blaze. Merci à ma sœur d'avoir préparé les... Merci à ma sœur d'avoir préparé les petites questions, les petits emojis. Et si ça vous a plu, peut-être qu'on pourra faire une deuxième vidéo où, avec des trucs un peu plus compliqués, ou peut-être une deuxième vidéo où ma sœur vient me défier directement et on demande à quelqu'un de nous préparer les emojis. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! In the box! In the pocket! In the pocket! Un gizmo! T'as qu'à pas te mettre dans mes pattes.